Et voilà, nous sommes en live. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch F1maniax Live où se tient la quatrième manche du championnat F1 sur F1 2020. Cette saison 13 déjà, encore, j'arrête pas de dire déjà, encore, cette saison 13, voilà, ça fait beaucoup. On se retrouve du coup au Grand Prix d'Espagne sur ce tracé du coup des essais hivernaux, sur le tracé de Barcelone. Et je suis toujours en compagnie de Crazyx ce soir. Crazyx, comment vas-tu? La forme ou pas? Enfin bref, comment vas-tu? Écoute, moi ça va pas trop mal, j'espère que vous aussi vous allez bien et que toi aussi, et puis prêt à voir pourquoi pas du spectacle à nouveau ce soir. Et comme j'aime le dire, du pestacle, comme on était gosse. Vous avez devant vous la météo pour le second prix d'Espagne, donc pas grand chose à annoncer, hein, c'est comme pour Zandvoort, du temps sec du début à la fin, voilà, des qualifs sous un beau soleil, une course un petit peu plus couverte cependant, hein, ça va peut-être un petit peu plus facile pour la tenue des pneumatiques, et on en reparlera des pneumatiques, parce que niveau stratégie, il va y avoir des choix différents, vous allez voir dans cette séance de qualification. On va faire un petit point comptable sur le classement, où vous voyez que le Red Bull se rapproche dangereusement de la Mercedes et du leader du championnat, après la victoire, enfin après le doublé Red Bull, hein, et la victoire de Zor. À Zandvoort, ça fait quand même beaucoup de bien pour l'écurie Red Bull qui prend l'ascendant en plus au constructeur, avec en plus un tercer qui a fait une course un petit peu en dents de scie, mais qui avait l'air content de son résultat malgré du coup justement cette course assez compliquée où il avait dû écoper d'un drive-through durant la voiture de sécurité virtuelle, et qui derrière fait une erreur à la sortie du virage 1, tout ça pour finir quatrième tout de même, excusez du peu. On a vu quand même qu'en termes de rythme pur, il était devant Deka qui n'était pas dans un de ses plus grands jours et qui avouait très clairement que c'était pas son circuit fétiche. On retrouve du coup toujours cet intrus en quatrième position, Darn, qui assure toujours les gros points, qui nous fait une saison magnifique. Et Tercer justement qui recolle justement un petit peu à ce pilote et qui a quand même un sacré gap à combler sur le trio de tête. Tercer qui en est au même point que Valdestroyer qui malheureusement à niveau stratégie, je sais pas si c'était la stratégie la meilleure stratégie à Zandvoort. On aura l'occasion d'en parler, en tout cas stratégie, en tout cas pour Barcelone, je pense que là-dessus c'est passé. Et plus loin, on retrouve donc la McLaren de Leto, la seule McLaren qui a marqué des points. La deuxième, ce soir, vous ne la verrez pas, et malheureusement, vous ne la verrez plus, puisqu'il s'agit de Bénol, pour des raisons personnelles, il se retire du championnat. Et voilà, ça va faire un coup dur au niveau comptable pour McLaren. Et on a toujours ces solides AlphaTauri en 9e et 11e rang, en les personnes de Mister Elsass et Joquat, qui assurent toujours les meilleurs points possibles, hein, en tout cas. Et on a Quietus qui a ramené de précieux points à Zandvoort. La fessée sera absent pour ce soir. Alors, au niveau des absents, du côté de Haas, nous avons tout le monde. Samurai, c'est dans les abonnés absents ce soir. Warwolf doit malheureusement se retirer pour une durée indéterminée suite à un accident IRL. On espère que tout va bien se passer pour lui. Rien de très grave, mais il est dans l'incapacité de rouler. Vous allez avoir une nouvelle tête du côté de chez Williams, puisqu'il s'agit de Cyril EEC qui va faire sa première course au sein de l'écurie historique de Formule 1. On va faire un petit point au niveau du constructeur très rapidement. Vous voyez, hein, la tendance, hein, Red Bull est devant avec une belle marge, hein, une marge de 5 et 9, 14 points, voilà, si je ne m'abuse, sur Mercedes. Et derrière, on a une énorme bataille déjà pour la place de meilleur des autres. On a l'impression déjà que, malheureusement, et c'est pas pour critiquer les pilotes, Ferrari est dans une tendance où, d'un point de vue comptable, on a l'impression qu'elles subissent déjà le patch de performance qui est prévu pour la première moitié du mois d'octobre, puisqu'elles ne sont qu'à 38 points, Renault à 30 points, et la bataille fait rage entre McLaren, AlphaTauri et Racing Point, avec 11 points pour les deux, et Racing Point à 8 points. Haas qui a pu marquer des points à la personne de Azui la semaine dernière, le petit point qui fait très plaisir à l'écurie. On a senti un Zui très content de sa course qui a fait honneur à son coéquipier et à l'écurie américaine. On va passer sans plus attendre ce qui se passe en course, hein, tout simplement. Alors, est-ce que... Voilà, on est bon. Voilà, vous avez l'affichage sous les yeux. On va parler un petit peu de stratégie, si tu veux bien, Crazyx. Étant donné que... Alors, on va mettre le détail des pneus installés. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de pilotes qui sont quand même en rouge, là. Alors que les échos parlaient d'une stratégie à un arrêt avec les pneus médium, puis les pneus hard. Alors, est-ce qu'il y a de l'intox? Que prévoit ta filière, en tout cas? Quelles sont les informations que tu as pu tirer? Aïe, 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 ça, c'est pas le début qu'on aurait souhaité pour le pilote. Non, sur un virage très piégeux, juste avant la deuxième ligne droite. Voilà, on le voit au fond, on n'a pas de mal à le voir.
Il avait quand même établi une référence, mais je ne sais pas si ça va tenir si longtemps. Hein. Voilà, il y a déjà un gap entre lui et le cinquième, qui est Quietus. Alors, on va du coup parler stratégie. On voit comme des pilotes rouler en soft. Alors, est-ce que les soft hard vont jusqu'au bout? Ça va être compliqué, peut-être, non? Non, les soft hard vont jusqu'au bout, mais par contre, le rythme imposé par les médiums est plus rapide. Certes, les soft, la stratégie que tu as citée, donc rouge-blanc, va au bout, mais avec un peu de mal. Donc le plus rapide serait de partir en jaune, mais attention aux concurrents. On a vu que une fois que Deka était bloqué derrière les Red Bull, il avait du mal à saisir sur un tracé qui n'était pas à son avantage, certes, un peu à l'image de celui-ci aussi en Espagne, qui peut paraître un peu à l'avantage de Red Bull avec ce dernier secteur et ce deuxième secteur aussi assez technique. Donc à voir ce que les pilotes choisissent, mais les jaunes paraissent un peu plus rapides à partir du tour 3-4. Donc une fois que le DRS sera activé, ils prendront l'avantage. Un choix à faire pour les pilotes: vont-ils privilégier du coup de sécuriser en rouge, en histoire d'assurer un temps et d'être bien qualifié, pourquoi pas le prix pour une safety car, ou alors tenter les jaunes, à savoir qu'il y a une seule gomme jaune, donc à ne pas louper son tour, sachant qu'il est très facile de se faire annuler un temps ici, donc ouais, assez risque et péril. Il suffit de sortir large hein, sur juste après la zone de détection, la deuxième zone de DRS, là, vous voyez sur la minimap, ce long droit là, où il y a marqué le 2 là, qui signifie le deuxième secteur. Alors, c'est le virage 8 ou 9 si je ne m'abuse. Cela fait maintenant quelques années que les F1 peuvent quasiment passer à fond, en tout cas en qualification. En course, c'est un petit peu plus délicat évidemment avec la quantité de carburant embarqué dans ces voitures. Et donc on remarque une première tendance que j'avais oublié, c'est que les pilotes font une première marque en soft, qui n'est pas forcément une marque très rapide, mais c'est pour se mettre un petit peu en jambe et ensuite sortir les pneus médiums et ensuite claquer le meilleur chrono, sachant que, oula, alors qu'on va voir l'Estroyer qui s'amuse un petit peu avec les limites, je sais pas si c'est très réglementaire ceci là, en tout cas l'a bien vu, il est bien passé aux caméras, il a fait un beau sourire au radar, mais voilà, pour en revenir un petit peu à cette stratégie pneumatique, on va voir pas mal de pilotes chausser les rouges pour se faire les jambes et ensuite tout claquer sur la gomme médium. Et il n'est pas impossible que justement en pneu médium on puisse se permettre de faire un deuxième tour consécutif, encore c'est que ça. Au niveau avec de la batterie, un tour d'arrêt entre les deux sinon, ouais, encore que avec la batterie il faut assumer, il faut faire un tour d'arrêt, il faut avoir le temps du coup de faire ce tour de transition, parce qu'il faut faire le tour de sortie, le tour rapide qu'on avorte éventuellement si on coupe un peu tôt, et derrière on en refait un, ou alors on doit faire un tour pour recharger les batteries si jamais le virage coupé se fait par exemple là où se trouve Zor. En parlant de Zor d'ailleurs, il va lancer son tour chrono, donc on va le suivre un petit peu, un petit tour embarqué avec le vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas qui a fait son tour au calendrier de F1, alors qu'il va pouvoir prendre allègrement l'aspiration de Leto. C'était pas vraiment le souhait de Leto qui est à l'arrêt pour laisser passer tranquillement le pilote en tour rapide. On aborde ce pré-virage 170 km/h hein, quasiment. Ce virage 3 qui passe à fond maintenant aussi depuis quelques années, depuis 2017 quasi, tout simplement. Un tracé où ça va être en dehors de la grande ligne droite des stands, assez compliqué de doubler. C'est un petit peu un schéma de circuit où c'est un peu tout ou rien, dans le sens où soit il n'y a pas du tout de bataille, ou soit quand il y a une bataille, et ben ça va durer tout le premier secteur, voire le deuxième, où Ezor qui est un petit peu à la dérive avec son train arrière. Vous voyez, il passe à fond, hein. C'est assez impressionnant. Presque une demi-seconde d'avance. Ouais, le plus gros freinage de ce circuit. Zork actuellement la pole provisoire et qui semble peut-être partir véritablement avec les softs. Ouais. Ou à Valcorn, Deka, Tercer qui n'ont pas encore établi une référence, tout porte à croire qu'ils vont partir en médium. Ouais, Zork finalement qui rentre. Ouais. À mon avis, c'est juste pour s'échauffer, parce que le tour en 15-7 est très lent, si je puis dire. On a vu que... Abandon de Leto. Leto qui abandonne, donc je sais pas si c'est volontaire ou si c'est... Alors, juste j'ai l'impression qu'il s'est planté dans les stands. Mais en tout cas, on attend une pole en soft, en tout cas si c'est de Mercedes ou de Red Bull, en 14-5 environ, donc il est à 1 seconde 2 de son chrono. On a vu des temps donc à l'ORL qui est donc une autre ligue,
où la stratégie était médium hard et la pole se jouait entre 14-2 et 14-5 en médium. Après, ce sont les perfs égales et bah, des voitures multijoueurs, donc on peut s'attendre, pourquoi pas, à un 14-8, 14-9 selon nos pilotes en médium. Donc c'est tout à fait faisable d'aller battre la pole provisoire en 15.7 de Zor. Ouais, c'est peut-être un temps un peu pour mettre la pression, pour dire qu'on va être rendez-vous présent, en tout cas pour un tour qualif et ensuite en termes de rythme de course pur auprès de ses adversaires directs, qui sont les Mercedes tout simplement, et les Ferrari, puisqu'elles pointent au deuxième et troisième rang actuellement. On a Jokwad qui va également s'arrêter, et j'ai eu les petites communications radio en ce qui concerne l'abandon de Leto. Alors, je cite, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone, terribles images. Ouais, et voilà, un portable au volant. N'oubliez pas, même en F1, c'est totalement proscrit. Avoir un téléphone au volant en Formule 1, faut le faire. Voilà, celle-là, par contre, je crois que c'est la première fois que je la vois. Hein. Leto, en tout cas, bravo à toi. On te décernera un Darwin Award. Alors, Azui qui est à l'arrêt. Il n'y a pas grand monde qui roule là. Il y a encore 6 minutes 20, donc on va attendre un peu. Et Diamen, par contre, lui qui vient hausser le ton au niveau de. Oula, excusez-moi, là, au niveau de l'affichage, j'en ai pas bon du tout. Voilà, il faut que je me rôde un peu. C'est Diamen qui a la pole provisoire en soft. Attention. Donc, sachez que les pneus que vous voyez sur le classement en haut à gauche sont les pneus issus du meilleur tour, qui ont été utilisés pour le meilleur tour. Cry, de son côté, a affiché les pneus qui sont actuellement utilisés. Mais les pneus utilisés, vous pourrez très clairement les voir devant vos yeux, puisque vous voyez la bande rouge qui est sur le flanc des pneumatiques de la Ferrari, qui n'est pas du coup significatif de la couleur de la voiture, mais bien du composé de pneumatiques. C'est ça, il y a bien Zor en médium, tout comme Tercer, Jo Quad, Valcorn et Deka. Et ben on va suivre Tercer. Tercer qui a l'air comme dans une bonne dynamique, malgré, comme je l'ai dit précédemment dans ce stream, une course assez compliquée. Il va lancer son tour qualif avec les pneus médium. Et va pas falloir se rater. Voilà, il prend une bonne impulsion. Activation du DRS. La zone d'activation DRS qui a été mise plus tôt au niveau de la ligne droite, qui a été rallongée. Puis maintenant deux années, je crois, historiquement. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de virage coupé. Il est assez safe. Et là, il passe carrément à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est pas plus judicieux d'emporter un peu plus de vitesse et enrouler vraiment ses trajectoires? En tout cas, il n'y a pas d'erreur hein, pour le moment. Pas d'erreur. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment à fond? Et ben, on verra. Bon, évidemment, il essaye d'être à fond, mais est-ce qu'il a son plein potentiel? On va voir ça au niveau de la feuille des temps. Tercer qui a une crainte, hein, qui est la même que celle qu'il a dû faire face aux Pays-Bas, c'est de se retrouver derrière une Ferrari ou de se retrouver dans le trafic. Lui qui a quelques soucis au départ, il se fait souvent, je cite, déposer par Val Destroyer au départ. Derrière, il doit le dépasser à la régulière. Alors avec l'usage du DRS, l'aspiration et le bouton dépassement, et ben c'est pas simple puisque la Ferrari est encore dotée d'un super moteur. Je pense qu'on va aller chercher le 16.0 avec les médiums pour Tercer. Ça semble logique. Pour le tour est bon, il n'est pas coupé, vous le voyez à la minimap, elle n'est pas rouge, donc le temps sera réglementaire. Il va même peut-être faire mieux. 15-7, et c'est juste derrière Zor. Ah, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Est-ce que Zor était vraiment à fond après? J'en doute. Et vous voyez Zor, du coup, il va lancer son chrono, mais cette fois-ci en médium, donc on va voir ce que va donner le dernier vainqueur en titre, en fait. Voilà. C'est ça. Le vainqueur en titre. Et va falloir suivre Valcorn aussi, hein, qui est actuellement en piste. Ouais, il lance son tour lui aussi. Amélioration de 2 dixièmes pour Zor dans le premier secteur. Et 2 dixièmes, ce serait presque la pole. Et il y a un petit blocage sur ce virage. Attention, attention à ne pas faire d'erreur. On n'aura qu'une seule tentative, il faut le rappeler. Alors Kane Haas qui est au ralenti dans le secteur 3. Est-ce qu'il y a une erreur qui a été commise ou simplement un rythme? Alors pour éviter de chauffer la gomme, on sait qu'elle est très très demandeur, très demandeuse ici. Allez, Tercer qui se décale hein, pour laisser passer Zor. Zor qui a un petit peu profité de l'aspiration à moindre effet. On sait que la Red Bull a plus de traînée que la Mercedes et génère moins de. Du coup, à moins de vitesse max. Et le moteur Honda est un peu plus faible que. Enfin, il est plus faible que le moteur Mercedes. Sur les reprises, sur la vitesse max aussi. Même si voilà, ça va dépendre aussi de la traînée. Mais pour Zor, je pense que ça va être un bon chrono, ça va être un super chrono même parce qu'il vient mettre 5 dixièmes à Tercer avec sa Red Bull. Sacrée référence établie par le pilote Red Bull. On a Valcorn qui se place juste derrière Diamen.
15.5. Mais c'est 3 dixièmes derrière son coéquipier. C'est tout de même 3 dixièmes derrière Zork. Zork est en feu. Hein. Et on va suivre DK par contre. Eh ben DK, voilà, il vient de finir son tour. Il est deuxième DK. Il a peut-être une revanche à prendre sur le pilote Red Bull. Bon, ah, pour moi, les Red Bull seront un peu à l'image de Zandvoort et seront assez proches de la Mercedes. Elles seront peut-être pas aussi proches étant donné que le tracé profite un peu plus à la Mercedes. Un tracé qui joue quand même pas mal sur les reprises. Il faut vraiment doser judicieusement les médium, gaz. Alors, Quietus aussi. Il laisse passer Quietus. Les Alpha Tauri qui n'ont pas encore fait de temps, ça c'est peut-être un peu inquiétant. Ah, les deux qui sortent en même temps aussi avec les rouges. Ouais, attention, hein, pas perdre trop de temps dans le tour de sortie. Il n'y aura qu'une seule tentative. Ah, et pour Valdeur, il sort en rouge, donc ce sera les rouges pour le pilote Ferrari. Et en rouge pour le moment il est 6ème, donc c'est pas à son avantage. Ah mais Valdes Royer, on le connaît, il est toujours, toujours adepte des stratégies décalées. Ça ne le dérange pas éventuellement de faire un deuxième arrêt. Et lui, ce qu'il aime, c'est justement faire un peu le trouble fait. Alors qu'on a vu une Red Bull beaucoup ralentir. C'était quelle Red Bull qui était devant? C'est Valcorn? Oui, c'est Valcorn qui repart pour un chrono d'ailleurs, voilà, comme annoncé. Alors, aussi. Voilà, on va quand même voir un peu Quietus. On le suivra dans un second temps, Quietus, puisqu'il est juste derrière Valcorn. Zor, en amélioration d'un dixième. Premier secteur. Zor qui sera peut-être encore intouchable, mais attention à pas l'enterrer, à ne pas enterrer DK, Valcorn ou encore Tercer. En tout cas, le pilote Red Bull, qui je l'espère, ne se fera pas gêner par l'Alfa Romeo, alors qu'on a une Ferrari qui doit se décaler. Est-ce qu'elle a fait une erreur, cette Ferrari? Non, elle est en tour de sortie. Tour de sortie, donc il va falloir très vite rallier la ligne d'arrivée. Presque 2 dixièmes pour Zor, ça peut aller chercher le 15.0. Ce serait une sacrée ref. Et il y a une Alfa Romeo qui va peut-être gêner Valcorn. Celle de Chris. Voilà, Chris qui va se décaler. Hein. J'ai l'impression qu'il était peut-être pas en chrono. Alors on profite bien des dégagements comme annoncé par le commissaire lors du briefing. Merci au pilote de respecter ceci. Et belle réaccélération de Zor qui va venir, je pense, inscrire un meilleur temps. Et Darty abandonne du coup. Sans... Non, il a abandonné au stand. 15.0 comme tu l'as annoncé. Et du côté de Valcorn, qu'est-ce que ça va donner? On a vu Quietus qui va également améliorer sa marque, je l'espère. Du côté de Valcorn, qu'est-ce que ça donne? 15.6, un retard d'un dixième et demi. Quietus, c'est le 8ème temps. Un petit peu. Attention, avec un petit peu d'aspiration. Oh, il a pris la pole pour 55 millième. Alors là, il vient mettre tout le monde d'accord. Il vient mettre tout le monde d'accord. Zor, qui a été irréprochable sur cette qualif, il peut pas faire mieux. Et du côté de Tercer, on est encore en chrono. Hein. On a un temps... En avance de 69 millièmes dans le secteur 1. Alors on voit les pilotes qui abandonnent car ils n'ont plus de train et la séance est terminée. Cela permet de passer plus rapidement à la session de course. Du côté de Tercer, il s'est loupé. Tercer qui s'est peut-être fait peur sur ce droite rapide et qui bloque un peu un dixième d'amélioration quand même. Mais un dixième, ça va lui permettre de pas faire grand chose de plus là. Il va en falloir un peu plus pour aller chercher Valcorn. Ça ferait du bien à Mercedes pour le constructeur d'aller chercher cette Red Bull et de mieux placer sur la grille de départ. C'est quand même un bon temps malgré les erreurs pour Valdestroyer qui se place en deuxième ligne et peut-être avec un bon départ. Un bon départ peut peut-être le faire profiter. Ah, Tercer, il en manque très peu, c'est dommage, il est à 21 millième de Valcorn. Les Red Bull en termes de pur pilotage qui proposent quand même un et sacré Diamen, niveau. Qui va terminer son temps. Yaman, troisième position. Et voilà, les Ferrari qui s'échangent la troisième place. Voilà, qui vont sécuriser la deuxième ligne. Mais deuxième en soft. Ligne 100% rouge. Voilà. Stratégie décalée, intéressant à surveiller. Si tous deux prennent un bon départ, ça peut les propulser premier et deuxième. Mais oula, pardon. Néanmoins, on va surveiller Descartes, Zor et Valcorn. On sent une certaine émotion de ton côté, étant donné que c'est la filière que tu gères. Je peux comprendre. C'est ça, et les deux As aussi dans le top 10 en rouge, ouais. Peut-être à leur inconvénient. Alors, je suis un peu déçu des Alpha Tauri, parce qu'ils ont proposé pour moi, toujours... c'est la position idéale, hein, 11e et 12e oui, pour vrai. Partir en hard. Au niveau des pneus, pourquoi pas? Alors partir en hard, est-ce que c'est un peu mission suicide? Bon, dans tous les cas, il faudra les chausser, mais sur une safety car, attention. Attention. Sur ce jeu, la stratégie décalée est vraiment puissante. En hard en Chine, pour information...
Je tenais les pilotes en rouge une fois en course, il suffisait juste que je tienne au DRS, et puis en second relais, on met pratiquement une seconde et demie autour, alors qu'ils étaient en hard et moi en médium. Donc, Et voilà, du coup, vous avez les écarts, hein, deux hommes un peu seuls au monde, Deka et Zor, 55 millième, et ouais, Valcorn qui accuse un peu le coup, qui est dans l'ombre de son coéquipier, en tout cas, ne serait-ce que pour la séance de qualification, il est à 4 dixièmes et demi. Tercer aussi qui bah aussi est autant dans l'ombre que Valcorn chez Red Bull. 5 dixièmes sur Deka. Toujours très solide hein, la performance de Darn chez Renault. Renault qui va sans doute. Renault. Darn qui va être promu chez McLaren à l'issue du prochain Grand Prix. À n'en pas douter, étant donné le départ de Bénol. Très belle perf des As. Franchement, les deux dans le top 10, ça doit faire plaisir. En tout cas, ça doit te faire plaisir. Ça doit faire plaisir à l'écurie américaine. C'est vrai que les AlphaTauri ont quelque chose à jouer. D'un point de vue un peu plus opportuniste, mais d'un point de vue rythme, on les a vus un peu mieux que ça, en tout cas. Donc, à voir ce que ça va donner. On va passer du coup sur la session de course. Les pilotes vont s'installer sur la grille de départ, peaufiner leur stratégie, peaufiner également le carburant embarqué, si on va partir sur un petit peu plus de carburant que d'habitude, un petit peu moins pour les gens un peu plus conservateurs et préserver les pneumatiques. En tout cas, je sens que les Ferrari vont semer le trouble dans le peloton de tête, et j'espère que ça va pas trop semer le trouble et que ça va pas trop grincer les dents du côté de Mercedes et Red Bull, mais après ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça, ils font leur course, leur stratégie, et sait que les Ferrari sont sur ce type de circuit, comme à l'image de Zandvoort, moins rapides en tout cas. D'après les tests, hein, même des pilotes en autre monoplace, la Ferrari prend pratiquement une demi-seconde. Sur un circuit comme celui-là, donc d'où la stratégie décalée. Après, à voir ce que ça peut donner, j'attends aussi un peu des As en rouge, ça me titille un peu. Malgré ça, j'aurais préféré qu'elle soit en stratégie décalée, mais bon, ce soir, il y a quelques absences qui peut leur profiter comme peut leur être à leur inconvénient. Leto partira dernier aussi, quelque chose à noter, peut-être une remontée pour la McLaren, et Darn toujours constant, comme on l'a dit, donc intéressant de voir comment ça va se passer à distance avec les Ferrari. Leto peut en effet jouer le coup de poker, se dire je vais partir en médium, voire même en hard carrément, et voir ce qu'il se passe, étant donné que voilà, j'ai raté ma qualif, je donne tout pour la course. Attention encore une fois à ce qu'il n'y ait pas de safety car, auquel cas ce genre de stratégie serait complètement caduque et serait totalement ruinée. Je m'attends peut-être à une sorte de DRS train sur ce tracé, même si quand même il y a des secteurs où l'air sale peut jouer, où c'est les secteurs où vraiment la Ferrari risque d'être larguée comparée au Red Bull ou au Mercedes. Mais avec les pneus tendres, il y a peut-être une compensation qui peut se faire au niveau du rythme pur, en tout cas sur les premières boucles, puisque comme tu l'as précisé, au bout de 4-5 tours, déjà les gommes soft montrent déjà des signes d'usure assez notables. En tout cas, j'ai hâte de voir ce départ en espérant qu'il n'y ait pas d'accrochage comme ce le fut par le passé, puisqu'historiquement, Infomaniacs en Espagne, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Et même en vrai, hein, les deux Mercedes, puis n'oublions pas de tour de formation, donc ça va attaquer directement. Ouais, pour, voilà. Les gommes soft, pour le moment, ils ont la priorité. Et puis, un petit peu niveau stratégie aussi, on n'a pas le tour de formation pour préciser, mais les gommes soft devraient s'arrêter aux alentours du tour 9 et 10, alors que la gomme médium aux alentours du 15e tour, donc à voir comment ça se déroule. On sait qu'une safety car peut venir tout changer et changer complètement la course pour l'un comme pour l'autre. Donc, intéressant de voir comment ça peut se passer. Les gommes soft et hard qui pourraient être un peu plus profitables en cas de safety car en milieu ou fin de premier hard, de la 11e à la 15e position, on choisit les médiums. Alors, comment tu peux savoir ça? Je ne le vois pas. Directeur de course. D'accord, très bien. Voilà. Sauf, excepté les Ferrari et les As, tout le monde est en médium. Ouais, stratégie agressive, couleur de la marque de la filière. Au cheval cabré. Et voilà le départ qui va être donné. Et il y a une plutôt bonne impulsion du côté du poleman Deka. Très bon départ de Diamen qui vient s'infiltrer. Valdestreuer qui va également jouer les opportunistes. Les Ferrari qui vont shipper la deuxième place à Zor. Tercer, cette fois-ci, a pris un départ plutôt honorable. Il se place mieux que Valcorn. Du côté de Darn, ça se passe plutôt bien. Alors qu'il y a de la casse derrière, attention. Et Deka qui a pris déjà une très belle avance, étant donné que les Ferrari ont semé le trouble du côté de la Red Bull. Ça peut porter déjà un coup fatal à la Red Bull, parce que si on est plus dans le DRS... Valcorn est à terre, ça se bataille un petit peu.
Ouais, Valkant qui essaye d'insister à l'intérieur, c'est franc jeu, voilà. C'est fair play surtout. Et il va peut-être enrouler Tercer à l'extérieur. Et oui. Ah, oh, c'est magnifique. Bon, là, ce serait un peu présomptueux pour Valkant de tenter ici. Voilà, on est un petit peu déjà dépassé par les événements. Il y a les deux Ferrari qui, j'espère, ne vont pas trop se battre. Là, il faudrait qu'elles se mettent d'accord. Alors que Valkant tente un peu. Oh là là, le. Le dive bomb. Enfin, le dive en tout cas. Si on peut parler de dive bomb, je sais pas. Mais dépassement autoritaire au frein. Il s'est un peu raté, le pilote Red Bull. Et Tercer qui a pas trop osé. Il va peut-être se faire gêner par Darn. Et encore une fois, Tercer qui retrouve ses vieux démons. Il est pas bien placé sur cette chicane. Il va forcer un peu. Tercer, faut qu'il maintienne sa position. Il pas qu'il se fasse larguer par le trafic si jamais il se retrouve bloqué. Et Darn qui va insister. Forcément, il veut jouer ses positions, le pilote Renault. Mister Alsace et Chris au stand. Ouais, il y a peut-être un accrochage entre ces deux pilotes. Cyril qui est 13ème, voilà, qui a fait un bon départ. Hein. Un bon départ. Et Diamine qui a laissé passer Val Destroyer et petite mésentente qui a profité à Zor. On va revenir sur le devant de la course là. J'essaye de mettre les affichages les plus adéquats. Voilà, on va mettre les pneus. Oh, et c'est un peu large là pour Val Destroyer. Val Destroyer qui est peut-être dans la meilleure position qu'il espérait. Ah, je pense que la première position c'était quand même le meilleur, un départ assez bon pour Descaz qui lui a fait profiter de cette première place et qui se voit assez devant à l'avantage. Voilà, les Red Bull qui se retrouvent à batailler avec peut-être une écurie différente de celle espérée, parce que Descaz est déjà loin alors qu'on a déjà la stratégie annoncée par... Amazon, elle me fait toujours rire cette stratégie. Ah là là. Il est tôt. Déjà 11ème, à la porte des points avec ses médiums. C'est Kangokon qui s'est fait un peu piéger avec les rouges qui est parti pour la deuxième position. Et en effet, la stratégie prévue par Amazon est peut-être pas la bonne. Voilà. Et du côté de DK, ça y est, hein. On met les gaz, évidemment. Le DRS va être seulement autorisé durant ce tour-ci, en tout cas pas sur la ligne droite principale, mais sur la deuxième. Alors, est-ce que Tercer va pouvoir revenir? Non, mais avec le DRS, c'est un peu compliqué. Et ouais, du côté des Red Bull, il va pas falloir se casser les dents trop longtemps à devoir dépasser les Ferrari. Et Leto avec Joquad à l'intérieur. Ouais, Leto qui prend le meilleur sur le pilote AlphaTauri. Voilà, comme annoncé, Leto, il doit tout donner pour cette course. Il a raté sa qualif et il a raté le muret des stands, surtout, à vouloir aller sur son téléphone. Encore une fois, ne prenez pas le téléphone quand vous roulez, que vous soyez dans un véhicule doté de 60 chevaux ou 2000 chevaux. Oh, Val Destroyer qui se décale assez tardivement. Pas en zone de freinage, c'est discutable. En tout cas, à chaud, je trouve que c'est discutable, mais on aura tout le temps d'en discuter plus tard du côté des commissaires. Et Valkorn qui bute aussi sur Diamond, donc les deux Red Bull coincés dans le trafic rouge, à voir ce que ça peut donner. Descaz va s'envoler hein, du coup, si c'est pas déjà fait. En tout cas, c'est... Avec le meilleur temps. Ouais, 2 dixièmes de mieux. Et on va voir du coup sur la ligne droite, regardez comment la Red Bull ne revient pas tant que ça. Après, il n'utilise pas le mode dépassement, Zor. Il est assez patient pour le moment, mais est-ce que... Il va le corner sur Diamen. Ouais, sans à l'extérieur, au deuxième virage. Mais par contre, je crois qu'il a fait usage du mode dépassement, le vice-champion, saison 12. Tercer qui bute encore. Attention, Tercer. Attention. Un drapeau jaune secteur 1, que s'est-il passé? C'est Cyril qui s'est malheureusement planté. Attention à une éventuelle safety car. Non, il va redémarrer. Pas de VSC. Pas de VSC. C'est l'information qu'il faut retenir de ce début de course. À la suite de cette erreur du pilote Williams. C'est pas évident hein, pour sa première course chez FAM. Pas baisser les bras. Yazor qui fait usage du mode dépassement. Ouais, mais c'est... Oh, le dive bomb. Ouais, mais là, il y a gros contact. Ouais, évidemment, évidemment que ça va pas passer. C'est un peu trop... un peu too much, il là. Il devrait rendre la position, je pense. Ouais, il devrait peut-être rendre la position. S'il est venu très très loin. Hein. Trop loin, même, hein. Est-ce qu'il y a des dégâts sur l'aileron du côté de Val Destroyer? Non, du côté de Zor, je ne crois pas. Ouais, Val Destroyer qui a coupé carrément. Là, il a raté son virage et il s'est pris 3 secondes directement. Alors, ouais. Zor, il faudrait peut-être laisser repasser Val Destroyer. Va-t-il offrir de la résistance? Il offre de la résistance. Ouh, ça, je crois pas que ça va plaire du côté de Val Destroyer, côté de la filière Ferrari.
C'est vrai que ce dive est discutable. Ça profite à Valcorn, hein. Et qui reprend 3 secondes Val Destroyer. Ah ouais, là par contre, c'est passant dehors de sa course. Et Dekar va être tout seul carrément. On a une As au stand, c'est Azui. Alors j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé pour le pilote As. Ah, c'est le 2 stop, il a mis les jaunes. Pour la As, c'est très compliqué, hein, comme les dernières saisons. Alors je l'ai eu en main, donc je peux constater que niveau gomme, ça use très vite, ça chauffe très vite. Donc le désavantage de partir dans le top 10 sans As, se faire sentir. Va-t-on avoir un dive bomb pour Zor? Non, elle est plus sage, hein, mais... Bon, voilà, Val Destroyer a repris la position, mais tout de même, il y a peut-être un petit goût amer du côté de chez Val Destroyer. Bon, il doit vraiment se focaliser sur le fait de rester deuxième, de faire fonctionner au mieux sa voiture, tant que les pneus ont de la ressource. Alors que quand Gokon a quitté la session, malheureusement, il doit avoir un souci de connexion. Et on va voir si les deux Red Bull vont pas pouvoir faire une pierre deux coups. Voilà, pour Zor, ça va passer sans doute sans problème. Sans problème. Oh, ça se décale tardivement. Cette fois-ci, il va insister au freinage, mais... Oh, pour Zor, attention, Zor. Et Valcorn qui prend 3 secondes, il a dû esquiver un accrochage, j'ai l'impression. Il a dû court-circuiter, j'ai pas bien vu, on était en focus sur Zor. Oh, c'est malheureusement ce que je redoutais, les Ferrari qui sèment le trouble, mais peut-être un peu trop le trouble. Et ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de course pour la victoire. En tout cas, pour le podium, il y en a une. Pour les deux autres places du podium, il y en a une. Mais pour Deka, ça y est, là, il arrive dans la deuxième zone de DRS. Il fait sa course. Il a déjà 7 secondes d'avance. Darn qui est dans le train. Tercer qui, du coup, a du mal à dépasser. Zor qui prend 3 secondes, qui perd ses moyens. Alors que c'est Valcorn, là, cette fois-ci, qui va tenter. Valcorn qui va peut-être mieux s'en sortir. Oui, voilà, première tentative et réussite. Mais attention, elle va revenir très forte en ligne droite. Très fort en ligne droite, la Ferrari. Malgré l'URS à 20%. Et la Renault qui accroche, hein, d'un ouais, toujours en peloton devant Tercer. Qui se fait tracter, hein, encore une fois, voilà, il est toujours dans les bons coups et il a bien raison. Ah, à mon avis, Val Destroyer va être un peu loin. Ouais, il est déjà très loin, hein, et c'est Zor qui va surtout en profiter, mais avec le DRS, Zor aura beaucoup de mal à dépasser. Mais voilà, il reste dépassement à hauteur. Mais en tout cas, il reste au contact. Valcorn, son job, ça va être de creuser l'écart pour enlever le DRS à Val Destroyer. Et vous voyez, la Ferrari qui est déjà plus en difficulté sur ses courbes rapides et assez grandes, assez larges. Et à l'intérieur, Zor, encore une fois. Il tente, hein, cette fois-ci, il y a léger contact, mais il y a sans gravité. J'ai pas les mots, voilà. Je pensais que j'essayais d'imiter je ne sais quoi. Et finalement, il va s'imposer, Zor, avec un chausse-pied quand même. Hein. Sacré chausse-pied. Il faut se débarrasser de cette Ferrari, de ces Ferrari, parce qu'il y en a une deuxième en embuscade derrière, qui a peut-être pas le même rythme. Encore 3 secondes. Ouais, il faut pas oublier Val qui a 9 secondes. Les Red Bull sont à 3 secondes. Les deux Red Bull sont à 3 secondes. Deka, rien à signaler de mémoire. Tercer, rien à signaler. Diamen, rien à signaler. Aucun avertissement pour les Mercedes. Ah si, Tercer en a 2, Darn en a 0 de son côté, Diamen un seul avertissement. Et meilleur tour pour Deka. Voilà, évidemment, il est tout seul. Hein, c'est lui qui dicte le tempo. Il y a une Ferrari qui entre au stand. C'est le Val Destroyer. Voilà, il y a déjà plus de capital pneumatique. Une stratégie à deux arrêts peut-être, parce que là, au niveau des hards, ça va être compliqué. Et Diamen qui doit se décaler pour défendre. Et met les hards. Il met les hard, il va devoir aller au bout, hein, pas le choix. Sinon, la stratégie serait discutable. Enfin, le choix de cette stratégie serait vraiment discutable. Et ça va prier une safety car, je pense. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait une safety car, à moins vraiment d'un accrochage entre une Ferrari et une autre voiture. Même en cas d'une safety car, il a 9 secondes, donc ça serait à son désavantage. 9 secondes, ça profiterait à tout le reste du peloton. Oui, ça va resserrer toute la course. Hein. Ça s'est un peu calmé là, suite à cet arrêt au stand, les explications qui se sont clôturées entre les Ferrari et les Red Bull. Oula, et du côté son, Tercer, c'est pas très agréable, on va rester sur Darn, ou alors sur Tercer, hein, quand la caméra aura changé. Parce que là, le moteur Mercedes, je peux dire qu'il doit pas aimer. J'ai le problème des tours minutes, Crysix.
Et des cas quand je l'ai avec avec Val Destroyer. Des cas quand remet une couche là. Leto qui fait son bout de chemin, 8ème, voilà. Donc très bonne course. Allez, il faut que. Il faut qu'il passe un tercer. Il enlève le mode dépassement tercer. Ouais, il se dit qu'il a assez de puissance. Et tercer qui du coup prend 3 secondes. Et voilà, c'était le risque en dépassant. Voilà, c'est ce qu'on peut chercher à faire écoper en quelque sorte quand on défend. C'est alors pas de tasser hors piste, mais de tasser suffisamment pour se dire oula, je vais peut-être devoir jouer un peu avec les limites. Vraiment, c'est toute une affaire de jouer avec les limites, hein, que ce soit attaquer et défendre. Ce qui a peut-être pas trop été le cas du côté de Zor tout à l'heure. Il a été un peu kamikaze sur sa tentative de dépassement. Sa première en tout cas. Ah non, Kangogun qui n'a pas rejoint. Du coup, Mister Alsace va passer tranquillement. Ouais, Kangogun qui est toujours en déconnexion malheureusement, là, qui perd tout. Le pilote As qui s'est arrêté en plus. Et je l'ai invité, hein, mais à mon avis, c'est un non pour ce soir. Sûrement un problème de connexion. Je vais voir du côté de Discord si jamais il y a un message. Oui. Non. Très bien, pas très message. Bien. Côté de tercer, il va falloir maintenant s'atteler à quelqu'un d'un petit peu plus. Pas musclé, mais plus compliqué à dépasser. C'est la Ferrari de Diamen avec la puissance moteur. Sauf que Diamen n'a pas le DRS, donc on va peut-être pouvoir être plus serein du côté de la manœuvre de dépassement pour tercer. En effet, c'est un dépassement autoroute. T'as pas joué dans le secteur 2. Il y a un souci pour une Alfa Romeo. C'est celle de Chris. Celle de Chris. Il est peut-être parti un peu. Il est peut-être parti un peu à la faute. Rempli d'herbe. Valcorne, meilleur temps au tour. Ouais, pour 2 dixièmes, hein. Ça y est. Il appuie sur champignon. Qu'ils avaient le rythme. Ouais, mais c'est déjà trop tard. Elles ont tellement buté sur les Ferrari. Et voilà, Tercer qui va maintenant pouvoir imprimer son rythme. Attention à pas retomber dans ce qui lui est arrivé la semaine dernière à Zandvoort. Copé d'un drive-thru, prendre des pénalités. Il est à 3 secondes, donc il est à... au même niveau que Valcorn et Zor, ça aurait été bien de ne pas les avoir puisque là il serait techniquement 3ème. C'est ça. Moi je constate qu'il y a une Racing Point qui a l'air un petit peu de se rapprocher de Darn, c'est celle de Quietus, la seule Racing Point de ce soir. Il y a peut-être un coup à jouer. Bah, la gomme médium qui prend effet sur la gomme soft et on voit que Diamond fait un peu bouchon et qu'il va sûrement Diamond qui rentre au stand, voilà. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Darn dans le sens où il pourra plus bénéficier du DRS de Diamond. Et là, si Quietus imprime un meilleur rythme, il va pouvoir se montrer très menaçant. DRS, seulement 15% pour la Renault, le triple pour la Racing Point et on sait que le moteur chez les Roses est un peu plus puissant. En tout cas, il y a moins de traînée en plus. Oh, petite erreur de Quietus. Aïe, 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 mais l'œil de Sauron, il est passé de 1 seconde 7 à 3 secondes. Et une nouvelle erreur de Cyril EEC, attention à repartir de manière safe. Et Diamen qui ressort même devant Val Destroyer. Donc l'overcut a fonctionné pour Diamen. Et je pense qu'ils ne reverront plus les Red Bull. Sans doute, mais les Ferrari qui vont pouvoir... peut-être se tracter avec les DRS, ou se batailler si elles ont le droit. Je pense que tu leur as peut-être donné le droit. Elles font leur course. Elles ont les mêmes pneus, elles vont aller au bout. Il y a 2 tours quand même pour Val Destroyer. Fait. Yaman qui doit chauffer sa gomme, mais il est devant. Et voilà, ça s'est clairement calmé. Très clairement calmé. Mis à part la bataille entre Ferrari, il n'y a pas de. Il y a Zui qui a pris 3 secondes, malheureusement. Le pilote As. Et on a Zor qui s'arrête au stand. On va peut-être suivre ça quand même. J'ai cru qu'il avait dépassé la vitesse autorisée pour entrer au stand. Ça s'est passé tout juste. Hein. Tout juste. Et lui, c'est malheureusement un spécialiste de cette erreur. Et oui, il y a une réparation des longs. C'est sur son dive. Hein. Et ça peut profiter à Tercer. Qui Tercer. Pourra sûrement ressortir devant. Tercer, peut-être le podium. On rappelle que tous deux ont des pénalités. Les deux sont à 3 secondes en effet. Donc si le pilote Mercedes arrive à gérer ses pneus médiums. Ouais, et il y a peut-être un souci pour Zor, c'est qu'il va être en sandwich avec les deux Ferrari. Et ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Ah oui, il va presque tout perdre là-dessus. Ouais, il va perdre beaucoup. Les Ferrari qui vont faire jeu d'équipe, sans doute. Diamond, c'est un pilote qui défend moins
Val Destroyer, donc je pense qu'il est plus facile de passer sur, sur le rookie de cette saison, tout simplement. Et... Du coup, Leto qui a pu se rapprocher de Kétus après l'erreur de la Racing Point, mais qui vient de décoper 3 secondes de pénalité. Leto qui fait une belle course quand même. Hein. Alors, il y en a qui sont. Il ne s'est pas encore arrêté. Hein. Vous avez tout le top 7 qui ne s'est pas arrêté. Il rentre tout juste dans la zone de DRS de la Racing Point. Petite erreur. L'erreur qui va le faire éjecter de cette seconde, malheureusement. Ouais, il est à une seconde de le pilote McLaren. Alors que du côté de Zorn, on se détache de la Ferrari qui est derrière lui. On va pouvoir du coup s'atteler à la manœuvre de dépassement. Le volant des pits qui s'agite pour Tercer et Darn, Kietus. Le petit bouton bleu. Qui s'est activé, donc peut-être un arrêt pour ces trois pilotes. Alors que Amazon nous rappelle que ceux qui sont en médium sont dans une fenêtre où il faut s'arrêter. Première fois qu'Amazon est lucide sur ses stratégies de pneumatique. Et Zor qui bute derrière Diamen. Ouais, mais heureusement que Val Destroyer ne se rapproche pas. La petite erreur de Diamen hein, qui va peut-être profiter à Zor, pourquoi pas à l'intérieur. Il vient mettre la pression. Ouais, ça marche un peu, hein, ça marche pas mal même. Ouais, il fait marcher le mode dépassement, Diamen. Hein, ça s'est vu, la réaccélération de la Ferrari qui était dantesque. Il va attendre la zone DRS, hein, ça serait plus judicieux. Attention, il faut résister à l'air sale. Il a perdu un peu de terrain. On a Valcorn qui s'arrête au stand. Priorité à cette bataille. Et cette fois-ci, sur le dive. Encore une fois. C'est un peu mieux, voilà, il y a eu un léger contact, mais Diamen a dû se laisser faire, hein, voilà. Il était pris au piège. Et ça y est, les trois pilotes que j'ai cités, Valcorn, Tercer, Kietus, il y a juste Leto qui ne s'est pas arrêté. Leto qui va aller un peu plus loin avec ses gommes. Rapprochons dans le secteur 2, abandon de Chris, et peut-être Safety Car ou Virtual Safety Car. Ah, je pense pas, elle est mal placée. Et Maxime Virtual Safety Car. Virtuel. Et ça va profiter à Kietus. Bah, Valcorn qui est ressorti, à Tercer aussi, qui il fait passer devant Zor. Val Destroyer au stand. Ouais. Voilà, Val Destroyer, ça va. Ouais, donc du coup, le gain sur la safety, sur la Virtual Safety Car va pas être si grand que ça, vu qu'il va réparer son aileron. Ça change pas mal la donne. Val Destroyer avait l'aileron cassé suite au contact de Zor, ce qui le faisait perdre vachement de rythme. On comprend mieux pourquoi il était si loin. Val Destroyer qui met les médiums. Dans les stands, Azui aussi, hein, qui met les hard. Aïe aïe aïe, Cyril EEC qui a pris 5 secondes pour le drapeau jaune ignoré. Et attention, Cyril doit laisser passer. Hein. Voilà, Deka qui a pu passer sans encombre, de ce que je vois. Et Deka, lui, par contre, il va s'arrêter là. Il s'arrête. Alors, sans grande surprise, il va mettre les hards. On va voir où est-ce qu'il va repartir. Bon, tout juste aussi niveau. Ouais, mais c'est comme ça. Hein. On veut grappiller le moindre millième. Et Darn. Darn, c'est bon. Darn ça, aussi, voilà. C'est assez large. Seul Joquad et. Joquad. Ça y est, tout le monde s'arrête. Et Valcorn à l'attaque. Ah, qui a le DRS en plus. Et Valcorn qui va passer. Valcorn qui passe, carrément. Bah, avec la Virtual Safety Car. Bah, honnêtement, je ne m'attendais pas. De 2 à 3 secondes. Mais Valcorn s'était arrêté à ce moment-là ? Oui, Valcorn s'était arrêté. Il était au pit. Ah ouais, oui, bah du coup, ouais. Alors il y a presque 5 secondes. Alors je redescends sur Terre et oui, là. Et Tercer qui a profité aussi, qui n'est qu'à 2 secondes de DK, donc ça prouve à quel point la Virtual Safety Car a été bénéfique pour ses pilotes. Les Red Bull qui retrouvent leurs rivaux au championnat constructeur et ainsi qu'au championnat pilote pour Zor et Valcorn face à DK. Deka qui doit tout refaire, sauf que Deka, il est un peu plus serein parce qu'il n'a pas de pénalité. Et Valcorn, lui, en a 3. Et Darn qui s'est fait undercut par Kietus. Kietus est passé sur la Renault. Grâce à cette Virtual Safety Car. Ouais, on va voir comment le pilote Renault va réagir après cet incident de course qui est survenu suite à l'abandon de Chris qui a provoqué ce bouleversement au niveau de la course, au niveau du classement, au niveau de la stratégie. On voit que la Renault elle est quand même un peu nulle dans ce secteur 3. On voit tout de suite le temps repris par Darn sur la Racing Point de Kietus. Meilleur temps pour Valcorn. Et ça l'a peut-être galvanisé là, ces histoires à être devant. Là. Quand on est devant, on a quand même un ascendant psychologique assez certain.
N'oublions pas qu'il n'a 3 secondes. Ouais, pour le moment, il a toujours la victoire entre ses mains. Voilà. Il utilise. Non, il n'utilise pas le mode dépassement d'Arn. Il l'a utilisé très brièvement. Il va se rapprocher tranquillement de Kietus. Il veut vraiment sécuriser son dépassement et faire quelque chose vraiment de propre. Économiser un maximum de RS pour pouvoir attaquer et semer la seconde de suite. Il est à 60%. Ah, c'est pas assez pour attaquer. Val Destroyer, lui, s'occupe de remonter sur Mister Alsace. Et est-ce que les médiums sont... vont être beaucoup plus rapides que les hard? Je ne sais pas. Il y a quand même une différence un peu moins notable entre les médiums et hard et les soft médiums, je pense. Ça dépend toujours du tracé, évidemment. Mais Val Destroyer qui pourra aller chercher le meilleur tour, peut-être. Bonjour dans le secteur 2, c'est Cyril qui laisse passer. Les autres pilotes. Cyril qui a beaucoup de mal. On va revenir sur Darn. Avec également un petit suivi en second plan entre Zor et Tercer, parce que Zor est revenu dans la zone de DRS du pilote Mercedes. Je suis en train de me poser la question, est-ce que Tercer a déjà eu un podium chez F1 Maniacs? Je m'en souviens pas. En tout cas en catégorie F1. Je crois pas. Et il va y aller, Darn. Il va y aller avec sa Renault. Il va enrouler à l'extérieur. Oh, c'est juste. On laisse tout juste la place. Mais finalement, on se place très, très mal pour la prochaine courbe. On est quand même bien pour le virage 3 du côté de Kietus. Val Destroyer qui a le meilleur tour, comme annoncé. Et Darn, c'est pas fait encore. Hein. C'est loin d'être fait. Mais ça y est, là, l'explication a lieu. Entre... les deux hommes qui se partagent, enfin qui vont se batailler pour la place de meilleur des autres. Et pourquoi pas compter sur un retour de Val Destroyer par la suite, lui qui est en médium. Cyril qui passe pas un bon moment là, hein, malheureusement. Drapeau jaune, c'est Cyril. Qui peut, Darn. Pourquoi pas, Virtual Safety Car quand le drapeau jaune est trop long. Ouais, mais là il est reparti. Darn qui est un petit peu à l'intimidation et on voit Zor qui se rapproche dangereusement et 3 secondes de pénalité pour Mister Alsace. Puis là c'est compliqué pour lui d'aller chercher le point de la 10ème place. Et du côté de la As de Kangokon, il est sincèrement désolé, il ne sait pas quoi dire, ça ne plante que le lundi ou le mercredi soir et c'est dépitant. Toute la journée ça allait bien, mais au moment de rouler ça n'allait plus. Je peux comprendre. Réto direct pour Darn. Oh, il a voulu rouler à l'extérieur, mais il a envoyé Kietus en tête à queue. Alors, faudra revoir les images pour voir si c'est Kietus qui force un peu trop, qui tire trop à l'extérieur. Il va falloir revoir les images. Est-ce que la Racing Point avait assez de place? C'est la question qu'on va se poser. Et bah, à l'issue de la course, en tout cas du côté du commissaire. Ouais, voilà, qui neutralise une certaine bataille, hein, même si Kietus n'est qu'à une alors il n'est qu'à une seconde de Leto, mais bon, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de temps là. Il y a des cas qui revient petit à petit dans la zone des 3 secondes, et Zor, quant à lui, revient sur Tercer, donc petite bataille toujours entre ces deux écuries, hein, les deux grandes favorites hein, cette année, et comme l'année prochaine normalement. Allez, est-ce que Zor va pouvoir commencer à porter une attaque sur Tercer? Ça semble un peu loin, la réaccélération de Mercedes ça a l'avantage, Zor est un peu loin. Il est un petit peu loin, 7 dixième, il coupe déjà la Spi Tercer. Il ne veut laisser aucune chance. Non usage du mode dépassement pour Zor. Ouais, il ne revient qu'à 5 dixièmes, lui qui était à 7 dixièmes au début de la ligne droite. Tercer qui a 10% de RS alors que son concurrent a 5 fois plus. Ah, tu nous forces à faire des mathématiques, attention, hein, quand on sait qu'il y a TM7 dans le chat, il faut faire attention, c'est pas forcément le plus à même de calculer. Bonsoir à toi TM7, hein. Mes respects. Et c'est vrai que DK revient petit à petit, lentement mais sûrement, et il est à moins de... voilà, il a 2 dixièmes de recoller, en tout cas la victoire. Attention cependant à ne pas subir 3 secondes de pénalité, auquel cas ça relancerait totalement les débats.
c'est la bataille la plus sérieuse que nous sommes en train de vivre sur ce Grand Prix d'Espagne qui s'est un petit peu calmé. On a vu quand même des tentatives de dépassement plus que présomptueuses où je pense qu'il va falloir recadrer les pilotes à ce sujet. Ce sera tout le travail des commissaires d'accomplir ceci. En tout cas, ce n'est pas le Grand Prix le plus glorieux en ce qui concerne les dépassements. Les tentatives de dépassement, en tout cas. Et des cas voilà, qui se montrent clairement à distance du côté de face à Valcorne, puisqu'il établit la meilleure référence de ce Grand Prix. Et Diamène qui a 3 secondes de pénalité, sans grande incidence. Voilà, Zorc n'a jamais été aussi proche de Tercer. Où il tire un peu large depuis le Red Bull. Alors que je sais pas ce que tu fais, Cry, mais t'es en train de manger là. Ah non, pas du tout. On dirait que t'es en train de déballer un gâteau ou je ne sais quoi. C'est l'heure du goûter, les amis. Non. Et ben j'ai cru malheureusement. Je suis en train de. Tant pour de moi. Gérer avec une feuille, c'est tout. D'accord, d'accord. Ah non, allez, on va rester. Oui, non, c'est pas très sérieux en tout cas. Bah non, évidemment. Allez, côté de Zor, il va falloir rien lâcher. La Mercedes est très forte, trop forte parfois. Et là, il y a un coup à jouer, c'est clair. Il n'a jamais été aussi proche. Et ce secteur 3 peut lui être à son avantage. Avec ses virages lents, ses changements de direction à répétition, notamment ici. Et on va voir ce que ça va donner. À la sortie, on voit oh là là, la Mercedes qui est trop forte hein, sur les relances. Et, oui. Oh là là, c'est abusé. Même des cas hein, qui revient comme un fou. Qui améliore la référence du meilleur tour encore une fois. C'est la dernière place du podium qui joue. Tandis que la victoire pour le moment, elle est entre les mains de DK pour quelques centièmes seulement. Avec les 3 secondes de pénalité de Valcorne. Il ne faudra pas tomber dans le piège de couper à nouveau comme je l'ai précisé précédemment. Alors que plus loin, au niveau de la course, c'est très calme. Hein. Après l'incident entre Darn et Quietus, il y aura peut-être une explication à l'issue de la course entre ces pilotes. Et Valcorne qui a un avertissement de la pénalité, encore une fois, alors que DK, Ligier, il en a 0. Aucun avertissement pour DK. Alors ça, c'est... En termes de confiance, on peut pas être mieux placé. Zor et Tercer sont tous deux aussi à un avertissement de la pénalité. Par contre, on doit faire beaucoup plus attention, en effet. Parfois le jeu est un petit peu trop sévère sur les pilotes, mais il faut faire avec. Tout le monde est régi par ce système d'avertissement et de pénalité. Cette fois-ci, Tercer qui n'est pas aussi bien ressorti. C'est le moment pour Zor. Peut-être, encore un peu loin. Et Tercer, ouais, voilà, la Red Bull qui va être à hauteur. Zor qui va enrouler à l'extérieur. Et ça se passe, voilà, Zor qui prend le meilleur sur Tercer, mais Tercer qui est, je pense, bien loin d'en avoir terminé avec cette bataille. Il y a un petit peu de trafic devant, donc il va falloir faire attention, je pense que c'est Kang Ocon. Ah, c'est l'IA de Kang Ocon surtout, c'est ça qui peut faire peur. Qui n'est pas un fantôme. Voilà, qui n'est pas un fantôme et qui n'a pas la lucidité de laisser passer lorsqu'il y a un pilote qui a un tour de plus. Stand. Je sais pas ce qu'il fait, Val Destroyer, là. Il... Qui répare à nouveau l'aileron. Que s'est-il passé? Ouais, voilà, vous avez vu, du coup, l'IA de Kang Ocon qui a pas très bien géré cette affaire de drapeau bleu et on ne pourra pas lui en vouloir, hein, Kang Ocon. Il perd du temps en tercer, il avait pas la meilleure ligne. Et on a de nouveau une explication entre les deux acteurs majeurs de la saison 12. À distance, mais une explication quand même. Tercer qui se fait pas mal distancer là, Zor qui attaque. Ouais, Zor qui surtout a plus de RS que Tercer, mais là Tercer revient tellement fort sur la ligne droite, c'est mais il est à plat hein, niveau batterie. Il est à 12-13% en effet. Alors que l'écart a l'air de se stabiliser depuis 2-3 boucles entre les deux premiers du classement. 2 secondes 7, 2 secondes 8 entre Valcorne et DK, mais ça suffit pour le moment. DK. Le pilote Mercedes. Et peut-être que Valcorne économise un peu et à la fin va tenter d'attaquer. Mais il faudra faire attention au pilote Red Bull, ne pas couper.
Sinon, c'est terminé. Et il subira 3 secondes de pénalité supplémentaire. Deka qui attaque un petit peu là. Il est un petit peu plus agressif, qui signe un secteur violet. Et aux images du coup, le champion en titre. Il est peut-être dans un secteur où la Red Bull est un peu mieux, comme nous l'avons dit précédemment. On est vraiment sur une phase très calme. Hein. Même si ça peut changer à tout moment. Valet Royer, 3 secondes de pénalité supplémentaire. Ah, ça fait 12 ou 15 ans. Ouais, c'est ça passe de du coq à l'âne hein, entre Zor et entre le début de course et maintenant là pour Valet Royer. Adversaire qui attaque beaucoup, qui gère quand même son ERS hein, d'un tour à l'autre et il reste aux alentours de 10-15% sur le virage 3. Est-ce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire finalement? On veut absolument pas perdre le DRS face à Zor. Et il n'a que ça à faire. Hein. S'il se permet d'attaquer, il va plus avoir de batterie et il se fera distancer. Donc je pense qu'il est un peu à la limite. Il essaye de maintenir cette seconde, mais en tout bon, tout honneur, Zor qui vide sa batterie. Donc pour le moment, ça profite au pilote de Mercedes qui essaye de ne pas trop la vider en utilisant un petit peu quand même parce qu'il en faut. Mais Zor qui, lui, est passé à 20%, tout comme Tercer. Donc ils sont désormais égaux. Tout bien, tout honneur, là, pour te corriger, je sentais que tu cherchais l'expression. C'est ça. Voilà. Ouais, les écarts qui se stabilisent entre les deux Mercedes et les deux Red Bull. Et vraiment, plus loin dans la course, tout le monde est un peu dans un no man's land, malheureusement. Avec un abandon depuis le début de ce Grand Prix, celui de Chris, qui a provoqué une virtuelle safety car, qui a changé la donne. Et Tercer qui n'a plus le DRS, malheureusement. Et là, il va sans doute voir pour la dernière fois la Red Bull. Il va la voir de plus en plus petite s'il n'a pas le rythme pour recoller. On va revenir un peu entre Deka et Valcorn. Pour le moment, ça suffit hein, pour Deka, encore une fois. Eto qui prend 3 secondes supplémentaires. Et ça, par contre, ça risque de lui faire perdre la 7ème place face à Quietus. Le quad, quant à lui, comme tu le disais, les AlphaTauri étaient dans une bonne position. Et en effet, on ramène de précieux points. Azui, pareil, on va peut-être ramener le point de la 10ème place comme à Zandvoort. Ah, pour moi, c'est presque officiel. Avec toutes les pénalités de Valestroir, il peut même s'arrêter une nouvelle fois. Attention, tout de même à Mister Alsace, mais tous deux vont se batailler. Ce qui va profiter au pilote As, et je pense que les points sont faits. Il y avait aussi un souci de connexion du pilote AlphaTauri qui ne se sentait pas à l'aise. Et puis sur circuit aussi, hein, il avait énormément de mal quand il me l'a confié. Et du coup, ça se remarque un petit peu. Attention à Cyril, faut laisser passer là. On voit Deka qui est recollé 5 dixièmes avec la gestion du trafic par Valcorn. Ouais, Cyril est dans un endroit compliqué là pour. Ouais, il aurait peut-être pu se déporter sur l'extérieur de virage 3. Et ouais, voilà, il laisse passer plus facilement Deka. Alors, c'est pas voulu, hein, mais c'est vrai qu'au moment où Valcorn est passé Cyril, c'était plus compliqué pour Valcorn. Peut-être un peu trop. Ça fait grincer des dents, sans doute, le pilote Red Bull dans son cockpit. Parce que là, il y a 5 dixièmes de perdu à cause de. Enfin, sans que ce soit forcément sa faute, malheureusement. Tercer qui s'accroche pour revenir au DRS, ça se joue à quelques millièmes, il va peut-être pouvoir en bénéficier à nouveau. Attention sur la zone de détection et au niveau du temps, une seconde deux du meilleur temps de chacun. Je suis en train de regarder un peu, ça se joue en 18.0 pour Deka qui a le meilleur temps, et en 18.1 nous retrouvons les deux Red Bull, 18.2 la deuxième Mercedes. Et après, tout le monde est au-dessus de la minute 19. Donc, mis à part Mister Alsace en 18.8 et Valet Royer en 18.1, mais tous deux ont fait 2 ou 3 arrêts. Donc, c'est la stratégie décalée. Mais ces 4 leaders qui mettent une seconde autour à tous leurs concurrents, ça prouve que
la performance est là, avec la monoplace aussi, tiens, le rythme, tout comme leur réglage, hein, ils ont peut-être juste mieux réglé la voiture, ils se sont sentis plus confortables, plus à l'aise en course, et la stratégie de déqualification, bah, la gomme jaune, en effet, est à leur avantage, il reste 5 tours, un peu plus de 5 tours, et Deka qui revient. C'est indéniable, hein, le top 4 incontestable de par leur qualité de pilote, de par les performances des voitures, de par le réglage, comme Philly. On va pas leur retirer ceci. Et Val Destroyer qui passe sur Mister Alsace. Sans aucun problème. Ah, ça s'est clairement calmé cette course-là. On fait peut-être face un peu à un ventre mou, à un ventre très très mou d'ailleurs de cette course. Ouais. Et peut-être que Deka peut avoir l'objectif de le dépasser en piste. On sait qu'il a toujours zéro avertissement. Et on sait que ça lui tient en général un peu à cœur de vraiment montrer que sur la piste, quand il peut montrer que c'est le plus fort, il le fait. Il l'aura montré dès le départ, hein, mais cette VSC qui a un peu changé ses plans, malheureusement, et qui l'a contraint à attaquer, mais malgré ça, les Red Bull restent assez proches. Tercer qui est à la limite du DRS, il l'a un peu perdu là, sur Zor. Ils sont tous deux en ras de batterie et ils se bataillent bien. J'ai peur que Tercer ne pourra pas aller plus vite que ce qu'il ne l'est déjà. Et Alsace prend 3 secondes de pénalité. Pour Azui, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose puisque Val Destroyer en a beaucoup trop. Et Azui aura le point de la 10e place à moins d'un incident en piste. On voit des cas en plus ouais, qui recolle, hein, qui recolle de plus en plus. Une zone 5, il s'est arrêté un peu plus tôt aussi le pilote Red Bull, donc peut-être que ça joue un petit peu au fur et à mesure avec l'usure, et pourquoi pas une petite perte, une petite crevaison lente. On sait que sur ce jeu aussi c'est faisable, hein, une crevaison lente. C'est un peu plus punitif en effet, les chances de crever avec l'usure des pneumatiques. Et toujours est-il que Valcorn tient du mieux possible. Drapeau jaune dans le premier secteur, c'est Cyril encore qui malheureusement ne passe pas une super course. Devant Diamène, attention. Attention à la Renault. Il n'y a pas de souci du point de vue de la minimap. Non, j'étais sur le point de vue, là, bien attendu que les pilotes passent. Et voilà, Tercer, il a décroché, hein. J'ai l'impression qu'il m'a entendu. Il a peut-être un peu trop tapé sur ses pneus, un peu plus sur sa batterie, je pense. Parce que Zor, finalement, il a 2 tours de plus. Et ah, mine de rien. Un peu plus à l'attaque, hein, parce que Tercer était à moins d'un dixième de son meilleur temps en tour sur les deux premiers secteurs consécutifs. Donc, il y a peut-être le point de meilleur temps en tour à aller chercher pour Zor. Eh bah, peut-être pas. Voilà, l'œil de Sauron encore. Parce que Deka vient de mettre 17-7. Eh non, bah non, je vais arrêter, j'arrête de parler. Tout le monde donne tort. C'est Zor qui a le temps du meilleur tour en 1:17.5. C'est peut-être tout ce qu'on peut aller chercher de mieux à ce moment de la course. Point pour le constructeur, ça joue beaucoup. Tercer qui a 3 secondes. Aïe, 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 quel dommage. Ça changera rien son résultat, sauf si Zor fait une grosse erreur, puisque Diamène est pointé à 17 secondes 7 de la deuxième Mercedes. Et la bataille pour la tête, 1 seconde 2, ça se rapproche. Des cas qui font petit à petit, et quand je repense à l'écart qu'il avait sur Valcorn avant l'arrêt, tout simplement, il avait 7 secondes d'avance sur Valcorn, et quand il ressort avec la Virtual Safety Car, au jeu des arrêts, il ressort à 4 secondes 5, qui a perdu 11 secondes dans l'histoire, c'est énorme. Et c'est là où on se dit si seulement les Red Bull n'étaient pas bloqués, même Tercer. Hein. Parce que Tercer est sorti qu'à 2 secondes de Deka et il était un peu plus loin. Donc imaginons un monde sans les Ferrari au départ, et ben Deka serait ressorti quatrième. Au 31e tour de ce Grand Prix d'Espagne qui n'aura pas autant tenu toutes ses promesses que celui de la saison passée où, bon, il faut dire que pour la saison passée, les conditions météo
ont donné un petit peu leur petit, petit grain de sel. On a un petit peu de peps à la course. Là, par contre, on sent que... Oh là, Val Destroyer, toujours plus de pénalités, malheureusement, pour le pilote Ferrari. On sent que c'est quand même un tracé qui n'est pas adapté pour les F1 modernes. Hein. Ça, c'est un débat qui a souvent lieu entre fans de F1, la communauté Formule 1. Ça va peut-être pas empêcher Deka d'offrir un peu de spectacle sur cette fin de course. Attention, pas trop tenter le risque, parce qu'en cas d'accrochage, il peut tout perdre. Et Deka, est-ce qu'il a des avertissements depuis ? Un seul. Attention, il faudra pas trop... On a encore le droit à un joker, sinon ça relancera totalement la course. Et je pense que Deka va se permettre, pourquoi pas, d'attaquer... Et essayer de finir le dernier tour avec le DRS et pourquoi pas empocher le meilleur temps en tour parce que ça se joue à même pas un dixième avec Zor. Ouais, il y a un dixième entre les deux. Il va peut-être bénéficier du DRS, DK, à l'issue de la prochaine zone. Il n'a jamais été aussi proche de la réclamer. Il utilise tout en batterie. On voit qu'il a 8%. Tour 32. L'avant-dernière boucle, et je sens que le 33e risque peut-être d'être fatal pour Valcorne, en tout cas sur la position en piste, à moins d'une pénalité surprise. Quelque près Deka, à force d'avoir coupé, mais il propose quand même une course assez exemplaire sur ce tableau-là. Deka qui a 2 dixièmes d'avance presque sur son meilleur temps, donc pourquoi pas aller chercher le point du meilleur temps en tour là-dessus. Ouais, c'est peut-être l'occasion ou jamais, puisque là il va pouvoir profiter du DRS, d'aspiration sur la fin du tour en tout cas. Et pourquoi pas rester derrière Valcorne et... Ouais, tout le mode dépassement est utilisé, le DRS ça va être le meilleur temps. Ah, il l'a pas, non, il ne l'a il pas. Il a tout perdu, il a perdu 2 dixièmes au dernier secteur. Et pourquoi pas peut-être le réclamer sur cette dernière boucle du Grand Prix d'Espagne. Profite de l'aspiration, il a le DRS, il peut être déporté avec l'air sale, en tout cas il est, c'est pas vraiment le souci actuellement. 2 dixièmes au premier secteur. Parce que s'ils font vraiment sur Valcorne, c'est ce qui risque de le gêner, bah, c'est tout simplement Valcorne lui-même. Tercer qui aurait été un petit peu plus irrégulier dans son rythme, ce qui fait que voilà, il revient quand même, hein. Il est passé d'une seconde 8 à une seconde 5. Un drapeau jaune au secteur 3, c'est Cyril qui laisse passer. Et voilà, il va profiter du DRS encore une fois et il claque son mode dépassement sur quelques mètres, pas plus. Et est-ce que ça va suffire pour prétendre au meilleur temps et d'empocher du coup les 26 points? Je ne pense pas. Il va peut-être en manquer pour Deka. En tout cas, celui qui finira. La course. Oh, alors qu'il y a une Ferrari qui est en tête à queue sur la route dernier virage. Et premier à franchir la ligne, c'est Valcorne. Valcorne qui aurait été chercher le meilleur tour et tout de suite vaincu par Deka. Victoire de Deka. Course parfaite. Malgré. Ezor. Ezor qui vient chercher le point du meilleur tour, peut-être pour Tercer. Non, Tercer qui ne pourra pas contester le meilleur tour de la Red Bull. 18.0 pour Tercer. Ouais, il est très loin. Val Destroyer qui va seulement redémarrer, il a dû attendre pas mal avant de repartir. Et attention avec les pénalités, parce qu'il me semble que du coup, Diamen a une pénalité, contrairement à Darn, et ça va se jouer à 2 ou 3 dixièmes. Et non, et il prend la 5ème place, voilà, pour 3 dixièmes. Fin calculateur, RiseX. Et les taux qui améliorent. Les taux, ça fait tout juste. Points, hein, parce que Ketus, il a pas de péna. Et Ketus, il il est à 9 secondes. Ce qui fait que Leto passe 8ème malheureusement. Et Jokoda a fini 9ème, 8, 10ème. Et encore un point pour le pilote As, deux fois d'affilée. Ouais. Bravo l'écurie As, parce que c'est vraiment pas facile. Avec un 2 stop. Ils ne sont que 15, hein, mais tout de même, ça lui a profité un petit peu cette VSC, mais tout de même, il faut quand même avoir un bon rythme. Il faut répondre présent quand les circonstances sont favorables, défavorables. Mais Mister Isaac qui vient terminer cette course. Les AlphaTauri qui ont quand même procuré un bel effort. Leto,
et du pilote du jour pour sa belle remontée. Je pense qu'on va pouvoir l'accueillir en interview sans discussion, enfin sans, il n'y a pas de débat, je pense, à ce propos. Mm-hmm. Et voilà, Deka qui inscrit un nouveau succès. C'est joué pour 60 millième le meilleur temps de tour. Ils sont 3 en 1 dixième pour le meilleur temps. C'est assez serré. Très serré. Deka qui va creuser un peu plus le gap sur Zor. Valcorn qui reprend un peu de points à son coéquipier. Et puis Red Bull qui... avec le point du meilleur temps tour, je ne sais pas. Faudrait calculer les points pour Mercedes les... Mercedes va marquer plus de points, je pense. Parce qu'il y a un 25 plus 12. Ça fait et du coup, 37. 18 plus 16. Ouais, du coup, il y a un léger avantage Mercedes. Voilà. Et Renault qui prend l'avantage sur Ferrari aujourd'hui. Performante un peu décevante de Val Destroyer qui ne marquera pas de points. Ouais. C'est Diamant. Un peu frustré, je pense, de la manœuvre de la Red Bull. Ouais, là, il a perdu ses moyens, malheureusement. Et là, je pense que ça va parler un petit peu juste après la course, en espérant que ça ne tombe pas trop dans les réactions à chaud. On va passer sans plus attendre. Du coup, aux interviews. Hop, on se met sur le. Cueillir le vainqueur des cas, pourquoi pas Valcorn et Leto. Alors, je vais m'afficher le classement pour faire ça en bonne et due forme. Est-ce qu'on. Il y a eu un incident aussi entre Kietus et Darn. Et Darn. Donc, pourquoi pas interviewer un des deux, je ne sais pas. Et ça y est, Valcorn qui parle des drapeaux bleus. Malheureusement pour lui. Ouais, là, on a mis le doigt dessus. Hein. De toute façon, on l'a vu en direct. Hein. C'était pas ouf. Allez, on va bouger du coup Leto pour sa belle remontée. Je pense qu'on peut faire monter le vainqueur. Qui d'autre ? Il y a Darn qui est en train, je pense, de s'expliquer avec Kietus. Donc, on va le laisser s'expliquer tranquillement. Ces deux hommes avec peut-être et de Red Bull encore. Il n'y a pas grand chose à tirer de cette course. On va peut-être faire venir Darn et Kietus si jamais il s'explique pas très longtemps, enfin pas très longuement. Voilà. Et que fait t'as bougé Elsas ? J'ai rien fait du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il a rejoint le channel juste après que ouais, tu l'aies voilà. Bougé. Je ne l'ai pas bougé justement, je ne comptais pas l'interview spécialement. Des cas, je n'ai rien fait de mon côté. On va faire venir les Red Bull, écoute. Bien sûr, je n'ai pas les droits. Voilà, on va bouger. Il y a deux Red Bull qui s'expliqueront peut-être plus tard avec Val Destroyer. Ils auront tout le temps, tout le loisir de s'exprimer avec les Ferrari, la Ferrari. Je vais juste afficher Steam. Hop. Désolé pour ce petit contretemps. Voir le dossier. Et hop, voilà, génial. On va faire venir les leaders vers la fin. On va accueillir Leto dans un premier temps. Il nous a fait une belle remontée. Et voilà, bonsoir à toi Leto. Yo, salut. Une belle course en tout cas. On reparlera peut-être pas de la séance de qualification où on a eu la communication radio qui est assez cocasse. Mais ça t'a pas empêché de faire quand même une belle remontée. Voilà. On espérait peut-être une septième place avec beaucoup de pénas quand même au final. Mais ouais, je suis trop mauvais là-dessus. Hein. Alors finalement, ouais, ça m'affecte. Hein. Ouais, finalement, c'est la petite coquille de ce soir, malgré mettant de côté la qualification. La voiture allait bien, du coup, sur ce tracé ? Ouais, ça allait. Après, j'étais pas très très à l'aise sur les. Il y a des virages où je survirais, en fait. Du coup, j'avais des fois le pied qui tremblait, quoi, à la réaxel. Mais hormis ça, ouais, non, ça va. Après, je suis pas énormément entraîné, quoi, mais. Ouais, je suis vachement deck sur les pénas, surtout là. Surtout que, genre, je sais que j'ai 6 secondes. Je vois que
je vois que je suis plus rapide que Quietus, donc je mets tout pour mettre les 6 secondes, je les mets, et dernier tour, secteur 2, je me prends la dernière péna qu'il faut pas, quoi, donc... Alors c'est marrant parce que sur avec Krazik, on n'a pas vu ça sur le mode spectateur. En ah tout ouais cas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu. On n'a pas vu dans le dernier tour. Parce que de mémoire, justement, je me souviens que tu étais à 6 secondes et ça, je voyais Ketus à 6 secondes 0,90. Je me dis, ça va être ouais, superbe. Ouais. On va avoir une belle bataille à distance. Et non, finalement, bon, ce cut à la fin, tu auras eu raison de ben toi. Voilà. Bah écoute, moi pas grand chose à dire de plus comme d'hab hein. La prochaine ouais, fois portable au volant égale accident hein, voilà. Pour ceux qui nous regardent ce soir, restez prudents, ouais. Faut on va utiliser son téléphone, c'est pas bien. On va parler très rapidement de sans doute ton futur coéquipier, yep, la personne de Darn, donc Darn qu'on accueillera peut-être plus tard en interview quand il aura fini d'expliquer de s'expliquer avec Ketus là dans la call room. Ouais. On redoute beaucoup, j'imagine, Darn. Est-ce qu'on n'a pas peur d'être un peu trop dans l'ombre de ce pilote qui, bah, ma foi, m'a l'air très rapide au vu de ses résultats? Non, paf. Ouais, je pense qu'il va être plus rapide que moi. Après, il y a aussi l'entraînement et tout. Il s'investit énormément en fait hein, sur le Discord, la Renault McLaren. Il envoie plein de screens, des temps, des machins, des setups, des machins. Il s'investit énormément, donc c'est normal, quoi. Donc c'est cool. Après, moi, je suis plus content qu'ils reviennent prendre la McLaren. Comme ça, il y a peut-être moyen d'aller chercher en fin de saison des équipes qu'on ne devrait peut-être pas chercher en temps normal avec les points constructeurs. Donc non, ça va être cool. Après, être dans son ombre, c'est... Ça va, quoi. J'en suis pas là. Ah, d'accord. Ouais. On sent peut-être que tu as envie d'en découdre un peu plus. Ça donne peut-être envie de s'entraîner davantage, non? Pff, ouais, je sais non pas trop. Au feeling. On verra bien. Très bien. Il prendra des circuits, surtout. Ok, bah, très bien. Voilà. Bon, bah, j'ai eu tout ce qu'il fallait. On va te laisser tranquille pour ce soir. Belle remontée. Yep, merci. Non, bonne soirée à vous, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Yes. Tu peux me switch en attente interview, s'il te plaît? En attente interview, ouais, bien sûr, ça marche. Après, ils vont bouger. Hein, ouais, je sais. Voilà. Hop. Il est tout finalement content, hein, malgré le fait qu'il y a eu un accident et qu'il va plus faire fonctionner son bonus au niveau de l'assurance. C'est ça. On va passer du coup à ce petit trio de tête, du coup. Darn qui est toujours en train de s'expliquer, donc peut-être pas d'interview pour eux ce soir. On va peut-être pas trop s'éterniser. Le Grand Prix était un peu soporifique, hein, donc on va faire venir les concernés. Voilà, les trois, on va les monter d'un coup. Oh, eh oui, c'est toujours la surprise d'être switch au moment où on s'y attend pas. Bonsoir à tous, messieurs. Le top 3 nous a rejoints. Avec un. Alors, avant même d'en venir au vif du sujet, nous, d'un point de vue commentateur, on a senti un Grand Prix d'Espagne pas au même goût que la saison passée, je pense, et Deka, Valcorn peuvent en témoigner, étant donné qu'ils étaient les acteurs majeurs avec Leto de ce Grand Prix la saison passée. On va commencer par Deka et ensuite on passera au Red Bull. Ça vous désole pas un peu qu'il y ait peut-être un manque de suspense, un manque de bataille en quelque sorte avec les véritables rivaux au championnat? À commencer par toi, Deka. Moi non, ça me va si j'aurais pu rester devant hein. Si j'aurais pu rester avec mes 7 secondes d'avance là, moi ça m'allait hein. Après c'est vrai que pour le spectacle c'est mieux que de la bataille, mais je vais pas faire comme les pilotes Mercedes à une époque, oh, on veut que les autres nous rattrapent, moi je suis très bien devant tout seul. Ça le mérite d'être clair. Du côté des Red Bull, on va s'adresser à Valcorn cette fois-ci. Un petit mot à ce sujet, sur le manque peut-être de spectacle et de bataille avec les véritables rivaux. Alors, bah, l'année dernière, j'étais en Ferrari, je me faisais casser les couilles par les Red Bull. Et cette année, on est en Red Bull, on se fait casser les couilles par les Ferrari. Voilà. Bon, On sent que tu as envie en vif du sujet, donc je pense que voilà, moi, bah, c'est quelque chose à ajouter, quelque chose à ma question, non? Casse-couille les Ferrari, je dis voilà. Casse-couille les Ferrari. Oui. Le seul problème, c'est qu'ici, les punas, elles sont ultra strictes et sauf que nous, bah, on était obligé de dépasser très tôt dans la course pour pas que des cas s'envolent, mais on a dû tenter des petits moves, etc. Mais sauf que ça part très vite les punas en dépassant, quoi. Mais bien sûr, on a vu Zor qui a été. J'en pouvais plus.
Ouais, Zork était quand même à bout sur sa tentative. On a eu très peur, en tout cas. Oui, ben, ça ne s'est pas vu, en tout cas, sur le... visuellement, sur les deux voitures. Il a réparé au stand, mais ça ne s'est pas du tout vu voilà. Sur stream. Sur la voiture, en tout cas, quand elle roulait, on ne la voyait pas. Au niveau du pace, on n'avait pas trop l'air... Enfin, on était aux fraises à ce moment-là. Oui. Voilà. Bon, j'imagine que vous dites into the next one, messieurs, cher Red Bull. Bah, si c'est l'Italie, je sais pas. Et on espère peut-être... C'est bien l'Italie. Ah bah, super, mec. Y aura-t-il le patch des performances, selon vous? Mais est-ce qu'il change quelque chose au Red Bull et Mercedes? Il va rien changer à nous. Hein. Il ne va... Non, c'est uniquement le moteur Ferrari et la Racing Point, un peu plus d'aéro, je crois. Ouais, alors, pour résumer de ce que j'ai pu entendre, en effet, on est sur un patch de performance qui interviendra sur la première moitié du mois d'octobre, avec un up de Racing Point, un nerf de Ferrari et des motorisés Ferrari. Donc, faut pas juste attendre à une baisse du moteur Ferrari du côté de la Scuderia Ferrari. Par contre, du côté de Red Bull et de Mercedes, encore une fois, et c'est assez décevant, en tout cas d'un point de vue personnel, de voir que les Red Bull sont toujours un peu trop en retrait par rapport à la Mercedes. C'est un écart moteur qui n'existe pas en vrai. Moteur, oui, exactement. Ouais. Et c'est un écart moteur qui, il peut y avoir peut-être un écart sur la fiabilité, surtout. Sur la consommation, peut-être, mais pas autant que ce que vous avez, j'imagine. Mais c'est surtout sur les reprises. Je trouve que on a vu la bataille entre Zor et Tercer sur la deuxième partie de course. On voit Zor qui est à 4 dixièmes. On voit, ouais, alors, je suis désolé, sur le stream, mec, on l'a pas vu. Je suis désolé. Oh putain. J'espère que tu as les cordes. Non, j'ai pas les cordes. Oh, okay. j'ai essayé, mais Tercer ça a record au début. Tercer à record. Bon, bah, si le cran, il le postera, écoutez, messieurs. Mais moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est la pige que mettent les Mercedes au reste du plateau sur la réaccélération du dernier virage. Je trouve ça. Bon, les Ferrari sont indécent. Je trouve ça indécent. J'ai vu ça davantage sur les Mercedes. Je ne me suis pas trop focalisé sur la Ferrari. Mais quand on voit Zor être à 4 dixièmes à la sortie de l'avant-dernier virage et à la sortie du dernier virage face à Tercer, il passe à 6 dixièmes et demi, on se dit vous ne pouvez pas faire grand-chose et ce n'est pas forcément un tracé qui vous avantage. Après, c'est par rapport à Zandvoort. Prenez moins bien le virage. Hein. c'est le dirty air. On vous connaît, les joustiques, vous vous expliquerez en off. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. En tout cas, pour toi, Deka, c'est le week-end parfait. Malgré quand même une virtuelle safety car qui t'arrange pas, qui t'a peut-être fait peur. Non. C'est en gros, Cyril était devant moi, Williams, oui. Et il m'a laissé passer pendant la VSC. Le souci, c'est que ça m'a demandé de rendre la position, donc je lui ai rendu. Mais lui, ça lui a mis du coup le même message. Et du coup, il était à l'arrêt, j'étais à l'arrêt et j'ai perdu 15 secondes. Voilà. Et c'est lui qui s'est pris la pénalité. Moi, j'en ai pas pris, mais peut-être que Cyril en a pris. Lui, il a eu un drapeau jaune ignoré. Ouais. D'accord, ouais, bah, ce qui justifie quand même que l'écart avec l'intervention de la VSC qui n'était pas aussi grand, en tout cas, enfin, sans ce souci, Crysix, en tout cas. Bah, j'avais 6 secondes et demie d'avance, je suis ressorti avec 4 secondes et demie de retard, donc bon, ça. Ouais, ça c'est ça, ouais. On avait fait le calcul, c'est assez impressionnant. Bon, en tout cas. Bah, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Rien. Hein. C'est un peu le même trio qu'on retrouve avec le trio IRL avec Hamilton, Bottas et Verstappen. Sauf que là, il y a deux Red Bull et une Mercedes. Ça va être les réunions Tupperware tous les mercredis soirs si on vous invite à chaque fois. On va essayer de diversifier un peu, même si vraiment sur cette course, hormis vos batailles et la petite bataille qui est entre Darn et Quietus qui sont encore occupés à s'expliquer. On va essayer de faire varier les interviews à partir de la semaine prochaine, en tout cas des invités aux interviews. Merci en tout cas d'avoir répondu, messieurs, comme à chaque fois. Bravo pour votre performance individuelle à chacun. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance, en particulier au Red Bull pour l'Italie. Et, bon courage plutôt. Voilà, et bonne continuation du côté des Mercedes et de DK. Voilà. Merci bien. Voilà, je vous bouge, messieurs. Bonne soirée à vous. Bonne Ciao. Soirée. Et voilà, c'est ainsi que va s'achever du coup ce Grand Prix d'Espagne qui aura pas tenu toutes ses promesses. On retiendra un Grand Prix des Pays-Bas bien plus épicé, en tout cas épicé quand même entre les Ferrari et les Red Bull ce Grand Prix d'Espagne. Ça risque de faire couler pas mal d'encre. On va se quitter là-dessus, Crysix. On espère qu'il y aura plus de spectacles en Italie.
Et je te dis à la semaine prochaine, peut-être, à moins qu'il y ait la reprise des cours pour toi et que tu seras peut-être plus là. Normalement, ça devrait aller niveau horaire. Je tiendrai... Enfin, je te tiendrai au jus parce que je ne peux pas tenir tous les viewers, mais normalement, ça peut se faire, finir la saison ensemble, à moins que tu ne le souhaites pas. Mais je pense que ça peut... Je peux être disponible et me rendre disponible. Tout dépend de comment se passe la... En effet, la rentrée. Eh ben c'est super, voilà, on verra, on tiendra au jus. Au pire du pire, malheureusement, je serai seul, mais ce ne sera pas un problème, je l'espère. On sera du coup sur un format de commentary, si jamais je suis seul, un peu plus posé, avec plus de phases ou de on-board. Même si là, on a été pas mal servi, étant donné que je sais que sur le stream, les soucis ont été réglés et que le stream ne passe pas en PowerPoint quand je passe en mode on-board. Voilà, vous serez informé lors du stream la semaine prochaine. Je souhaite une bonne soirée, Crazyx, bonne soirée à tous ceux qui nous ont regardés. On était un peu... Ben, toi aussi. Les viewers ont été un petit peu plus discrets, ça peut se comprendre aussi vu la purge à laquelle on a dû faire face. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.